Vous êtes sur RTL. 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 13 juin. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord sans doute encore beaucoup d'émotions aujourd'hui à Lorient avec cette marche blanche organisée en soutien aux familles des deux enfants fauchés dimanche par un chauffard. Elle s'élancera tout à l'heure à 13h30. Des centaines de personnes sont attendues sur place, parmi elles Christelle et Véronique, deux mamans du quartier. Pour montrer à la famille voilà, qu'on les soutient, quoi, que, qu'on est tous marqués par ce drame, par la mort de l'enfant, par celui qui est à l'hôpital, pour dire qu'on est là, qu'on est tous avec eux, parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel parent. On espère que ça fera appel aux couples qui ont tué l'enfant et blessé l'autre, qu'ils se rendent à la justice. C'est ce que le quartier veut, et en espérant qu'il nous entend, qu'il pense à ce qu'il a fait. L'appel de ces mères de famille de Lorient au micro RTL de Patrice Gabart. La police, elle, continue ses recherches en vain, donc pour l'instant. Pourtant, Thomas Proutot, ce sont de gros moyens qui ont été déployés. En effet, les policiers ont d'abord été persuadés que les deux jeunes gens seraient très vite retrouvés. Une cavale requiert de l'argent et du soutien. Et le chauffard, le conducteur responsable de l'accident, n'a pas le profil d'un malfaiteur expérimenté. Ses délits connus se limitent à la conduite sans permis et à l'usage de stupéfiants. Mais les premières recherches ont rapidement échoué. Impossible d'abord de géolocaliser les téléphones soigneusement éteints. Puis l'appel des proches à se rendre n'a eu aucun effet. Des proches qui n'ont pu ou n'ont pas voulu fournir des indications sur la direction prise par les fuyards. Les planques possibles, enfin, notamment les appartements de plusieurs relations des deux jeunes gens, ont été perquisitionnés sans résultat. Désormais, les enquêteurs de Lorient, renforcés par la police judiciaire de Rennes, dépouillent méthodiquement les nombreux témoignages reçus depuis l'appel à témoins lancé mercredi, à l'affût du moindre faux pas du couple en cavale. Et Thomas Proutot du service police-justice de RTL et puis au Sable d'Olonne, hommage aux sauveteurs en mer. Emmanuel Macron présidera tout à l'heure à 11h30 une cérémonie à la mémoire des trois bénévoles de la SNSM décédés vendredi. Et au même moment où presque Édouard Philippe lui sera face au sénateur. Un nouveau discours de politique générale après celui prononcé hier face aux députés. Sans surprise, le Premier ministre a obtenu une large confiance de l'Assemblée. Pour l'adoption 363 contre l'adoption 163. Ont voté contre la plupart des élus, les Républicains, tous ceux du Rassemblement National ainsi que l'ensemble des députés de gauche. À la tribune, Jean-Luc Mélenchon, qui était très silencieux depuis la défaite de la France insoumise aux européennes, a assuré qu'il ne céderait pas. Compte tenu de notre résultat électoral, le rapport de force est lourdement défavorable pour nous. Mais n'allez pas croire pour autant que tout vous soit permis de ce seul fait, monsieur le Premier ministre. Savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection? Oui, c'était un référendum, et vous l'avez perdu. Et pourtant, vous voulez faire comme si de rien n'était. Vous pensez gouverner contre tout le monde, avec 20% des suffrages exprimés, et 10% des inscrits. La mise en garde de Jean-Luc Mélenchon hier à l'Assemblée, des propos recueillis pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire. Sur le fond, Édouard Philippe a confirmé la baisse de l'impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron. Le taux d'imposition de la première tranche va passer de 14 à 11%. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 euros pour quelques 12 millions de contribuables. Confirmé aussi l'élargissement de la PMA. Le texte sera examiné au mois de septembre au Parlement. Quant à la réforme des retraites, Édouard Philippe l'a dit, l'âge légal ne bougera pas. Le gouvernement souhaite toutefois inciter les Français à travailler plus longtemps avec un système de bonus-malus au-delà de 62 ans. Réaction de Pierre Herbs, il préside la Confédération des retraités. Aujourd'hui, l'âge réel de départ en retraite des salariés du privé, c'est 63 ans. On constate ça notamment pour les femmes partent plus tard parce qu'elles ont eu des carrières hachées, elles sont arrêtées pour leur maternité, etc. Et donc, pour améliorer leur niveau de retraite, eh bien, elles sont amenées à travailler un petit peu plus longtemps que les hommes. Le président de la Confédération des retraités avec Armel Lévy pour RTL. Et ce matin, sur notre radio, on continue à analyser, commenter ces annonces. Deux rendez-vous, 7h45 avec Rachida Dati, qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux. Et à 8h20, je recevrai Emmanuel Wargon, qui est secrétaire d'État. RTL Matin, 7h35. À Besançon, le docteur Pessier reste libre. Décision de la cour d'appel qui a confirmé hier le maintien sous contrôle judiciaire de cet anesthésiste mis en examen pour 24 empoisonnements, déception des parties civiles. Mais ce matin, sur RTL, l'un de leurs avocats se dit confiant pour la suite. Ils sont en train de manger leur pain blanc, je vous le dis. Lors du procès devant la cour d'assises, je n'ai aucun doute en ce qui me concerne de la culpabilité qui sera retenue par les jurés de la cour d'assises. Donc,
comme je l'ai expliqué à mes clients, vous savez, la détention provisoire, c'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est que le jour où la cour d'assises prendra une déclaration de culpabilité à l'endroit du docteur Béchier, eh bien l'incarcération, elle sera immédiate. Maître Stéphane Jurena, l'avocat des familles de victimes dans ce dossier, il était tout à l'heure à 6h15, l'invité de Julien Cellier sur RTL. Coupe du monde féminine de football sur RTL. Le foot, les filles de l'équipe de France ont ce matin un pied en huitième de finale de la Coupe du Monde. Oui, les Bleus se sont imposés hier soir 2-1 face à la Norvège. Ça a toutefois été compliqué, hein, notamment pour Wendy Renard, auteur d'un but contre son camp alors que la France menait 1-0. C'est vrai, dans ces situations-là, vous vous sentez seul en fait, même comme une conne limite. Mais après, les coéquipiers ont été là pour moi et ça démontre tout simplement notre force aussi, la force du collectif. Dans ces moments-là, on se sent seul parce qu'on ressasse forcément le but et on se dit tout le temps qu'on n'a pas marqué, c'est forcément compliqué. Même quand on a marqué, c'est encore dans la tête. Donc, mais après, non, ça fait partie du football et c'est ça qui me permet de garder les pieds sur terre parce que je m'enflamme pas en fait. Wendy Renard au micro RTL de Mickaël Lefebvre. Chez les hommes, sachez que Ferland Mendy jouera la saison prochaine au Real. L'OL a confirmé hier soir son transfert pour un montant de 48 millions d'euros. Et puis Christopher Froome, lui, ne prendra pas le départ du Tour de France le 6 juillet prochain à Bruxelles. Le Britannique, qui a remporté 4 fois la grande boucle, s'est sérieusement blessé hier en chutant à l'entraînement. Voilà qui rebat les cartes, dit ce matin Christian Prudhomme, le patron du Tour. Je lui souhaite évidemment le rétablissement possible et le plus rapide. La course va être encore plus intéressante peut-être. Il va y avoir une place à prendre. Ou en tout cas, le sentiment de pouvoir rêver pour certains coureurs. Je pense au Colombien Quintana, je pense au Vendée Dumoulin. Je pense évidemment aux Français aussi, Thibaut Pinot, Romain Bardet. Christian Prudhomme avec Nicolas Georgerot pour RTL. C'était le Tout Info avec Amandine Bégon. On se retrouve à 8h40 pour la revue de presse. Exactement. Et je vous parlerai d'une photo dingue ce matin. Bébel et Delon réunis. C'était il y a quelques jours. C'est magnifique. Vous me l'avez montré.